cet atelier, dont le thème retenu est partenariat public-privé et valorisation du patrimoine communal, a pour objectif principal de sensibiliser les participants sur la nécessité de valoriser le patrimoine communal à travers le partenariat public-privé. Il est à cet effet la résultante de la volonté permanente du CAPA qui privilégie la recherche de la synergie entre tous les acteurs impliqués dans le processus des partenariats public-privé et qui est également soucieux de mettre en œuvre une stratégie efficiente d'information, d'éducation et de communication appropriée au mode de la commande publique et du contrat de partenariat. Mesdames et Messieurs, le président de l'Église se tient au moment où, sous l'impulsion du président de la République, son excellence Obiang, le Cameroun est résolument engagé dans de vastes chantiers qui devront le conduire sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2035. En effet, le gouvernement a depuis de conduire une politique d'investissement massif dans les projets structurants, c'est-à-dire créateurs d'emplois. Le secteur privé camerounais et les partenaires sont appelés à y contribuer. Dans le cadre de l'organisation de ces projets, notamment par le biais de partenariats public-privés, le gouvernement a mis en place depuis 2006, ainsi que bien de l'appeler Monsieur le Président du CAPA, un nouveau mode de la commande publique, le contrat de partenariat. Désormais, un environnement juridique spécifique, incitatif et stable garantit aux partenaires privés des conditions de libre accès, d'égalité, de transparence, d'objectivité et d'équité. De plus, un organisme spécifique, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CAPA a été mis en place en 2008 et a démarré ses activités en 2009. Le présent atelier, qui devrait vous permettre d'avoir une perception globale des mécanismes des PPP, d'acquérir les capacités nécessaires à l'initiation et au suivi de l'exécution des projets des mairies en PPP et de concevoir et comprendre le PPP comme un outil de valorisation du bien de la commune. On ne peut pas développer la ville sans l'apport du secteur privé. Il se fait donc depuis 2006 et ceci a été rendu public et plus possible depuis 2008-2009. Le gouvernement a mis en place un outil d'accompagnement de tous les gestionnaires dans le montage des dossiers qui concernent les partenariats publics-privés. Jusqu'à présent, on était un peu habitué au mode de marché public, qui est un mode unilatéral, en ce sens que vous devez avoir les fonds, vous devez avoir un projet, passer l'appel d'offres, quelqu'un vous le réalise. Donc c'est comme vous, si vous allez au marché, vous achetez votre marchandise. Mais on peut faire mieux, c'est-à-dire avoir la marchandise plus ou moins à crédit, réaliser vos projets et atteindre vos objectifs. Donc, c'est schématiquement ce qui se passe. La ville de Douala, comme c'est des mécanismes nouveaux et complexes, s'est déjà engagée dans ce processus. Vous savez que la plupart de nos projets de réhabilitation, extension ou construction de marché est basé sur ce principe. Le marché Congo
en construction actuellement est sur le mode partenariat public-privé. C'est une opération de plus de 8-9 milliards de francs CFA que nous n'avons pas dans les caisses. Le partenaire va l'amener et puis pendant un certain temps, ce partenaire va gérer le marché et à terme, le marché va nous revenir. Donc nous ne pouvons plus rien faire sans l'apport du secteur privé. Le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat est une institution nationale. Elle n'est pas seulement là pour travailler avec les services qui sont basés à Yaoundé. Et comme vous le savez bien, le contrat de partenariat lie l'État ou un de ses démembrements, j'insiste bien sur l'expression « un de ses démembrements », à un partenaire privé dans le cadre de la réalisation d'un projet. Or, les démembrements de l'État sont multiples. On les retrouve également au niveau des collectivités territoriales décentralisées et donc des mairies. Les mairies sont disséminées à travers la République. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut faire le tour du pays pour une très grande sensibilisation sur ce mode de la commande publique afin que les collectivités territoriales décentralisées qui n'ont souvent pas les moyens nécessaires pour faire face à leurs ambitions en termes d'investissement puissent également bénéficier de cet encadrement que l'État a mis en place pour la réalisation des projets d'investissement. L'initiative est bonne et louable. Les mairies maintenant doivent fonctionner comme des entreprises. Donc le maire a besoin de soutien et ces soutiens peuvent nous provenir des privés. Nous avons par exemple un grand projet à Douala 5e, celui de construire le plus grand marché d'Afrique centrale chez nous parce que nous avons l'espace pour ça, avec tout ce que ça comporte comme commodité, donc très moderne. Il nous faut des privés pour nous accompagner dans de tels projets. Donc ma présence ici se justifie par tout ceci. Nous avons passé, nous, avec la CUD pour la construction du marché Congo. C'est un partenariat qui fonctionne assez bien. Je dirais que ça fonctionne assez bien parce que le CARPA, qui est l'organisme qui dirige, en fait, qui soutient et qui assiste dans aussi bien le partenaire public que le partenaire privé. Je ne dirais pas qu'il essaye, mais je dirais qu'il fait exactement ce que nous attendons de lui. Je prendrai un exemple que je prends toujours. Lorsque nous faisons venir du matériel pour de l'étranger, nous avons en principe deux phase pour sortir du matériel du port. La première phase, il était question que nous ayons les exonérations en droit de douane. Mais ce n'est pas simple, ça ne vient pas seul. Donc il y a une procédure et cette procédure administrative est souvent longue. Et à tous les coups, c'est la troisième ou la quatrième fois que nous avons fait appel au CARPA pour qu'il puisse voir le MINEPAT pour l'attestation de prise en charge. Et à tous les coups, c'est allé assez vite. Alors que si le CARPA n'était pas là, il fallait que nous-mêmes, on aille à Yaoundé et qu'on puisse attendre le temps qu'il faudrait pour pouvoir débloquer la situation. Donc, en gros, si le CARPA continue de soutenir et d'assister les PPP au Cameroun, je pense que ça va s'améliorer de plus en plus.